ça qu'a fait là. Saluez-nous. Je dis à nous pas faire une vidéo sur sécurité équipement Cisco. Nous pas le point un routeur Cisco avec un switch Cisco. Nous pas le sécuriser. C'est-à-dire que ce schéma qui nous était fait dernièrement là, que c'était schéma ça là, nous pas le point router ça, nous pas le point switch ça, qui nous carré les commutateurs et tout, nous pas le sécuriser. Nous pas le sécuriser. Nous changeons que dernièrement ce schéma ça, nous t'ai fait au taille statique là. On te fait tout réseau communiquer entre eux-mêmes. Je veux dire que là, si on te dit ça, c'est un réseau. Là, c'est un autre réseau. Et puis là, c'est un réseau. Et pour que machine ça arrive à communiquer avec ça, là, c'est pour te gagner un routage qui était pour faire. On te fait ça. Mais nous, on te fait tout ça. Maintenant, nous pouvons sécuriser l'équipement pour configuration que nous faisons. On n'importe qui ne peut pas venir dérégler facilement n'importe comment. Ok? Donc, des fonds de documents, tout, sécuriser un routeur Cisco avec Switch, avec Cisco Packet Tracer. Bon, Cisco Packet Tracer, nous t'ai parlé de lui-même déjà, nous t'ai installé lui. D'ailleurs, que ça avait fonctionné depuis le tutoriel, parce que bon, pour nous mettre le matériel en place là, c'est un peu plus grand. Cisco Packet Tracer lui-même, il permet de nous émuler ce qu'on a utilisé. Enfin, router ça qu'on a utilisé. Émuler switch ça qu'on a utilisé, ordinateur qu'on a pour exercice là tout. Donc, on n'a pas très souci avec le routeur. Souci avec le routeur, on a tapé enable, configure terminal, hostname, on a mis comme nom, Smart Creole Tech 1. Puis on a mis en bannière. Une bannière qui peut servir comme une sécurité. Si on monte à venir, il fait n'importe quoi sur l'équipement, la carte ça pour avertir en premier lieu. Et ensuite, nous mettons dans la ligne console 0, nous pouvons mettre un password qui est SKT1 slash slash. Ok? Et puis nous mettons login. Bon, SmartTech, mot de passe catégorie doit n'importe quoi. Hein? Mais comme son exercice, et puis tout ce machin, nous mettons pour nous aller comme ça. Puis nous faisons login pour nous finir. Et puis, bon, astuce que nous pouvons montrer nous avant que nous mettions dernier commande, là, qui est service password encryption. Tirer encryption. C'est pour crypter mot de passe là. Bon. Sans plus tarder, nous pouvons entrer sur routeur, hein? Sur routeur ça là. On prend tout classique nous là, nous prenons un petit laptop. Nous arrivons comme ça. Nous prenons câble console là, ce qui est câblé. Hein? Nous connectons sous RS232, hein? Nous mettons sur port console routeur. C'est port console ça que nous pouvons sécuriser sur routeur. Je veux dire. Nous allons dans PC, dans le secteur desktop là, nous allons dans le terminal. Et puis nous fait OK aussitôt que nous là OK nous gagnons pour communiquer avec équipement. Ouais, là par exemple on est venu la commencer à entrer en faisant enable. OK, et puis nous fait l'ignore d'avoir fait l'ignore configuration qui soit apparaît là là maintenant show warning je vais config là l'ignore ouais tout ça qui apparaît là. Tout ça c'est configuration qui apparaît là gagne tout ça qui gagne ou ta bah nous te fait yo. Et puis tout le temps doit faire un autre mouvement là show IP route nous voyons que l'entrée dans ta bouteille ouais tout ça nous fait sans difficulté sans pas un pièce mot de passe pas une pièce obstacle qui opposé à lui-même donc nous même nous pas le mettre obstacle pour lui pour pas rentrer sous équipement comme ça donc nous pas le mettre obstacle pour lui n'a peut sortir carrément. Nous arrivons sur le routeur comme ça. On a pas attaqué pour ceci ça que nous allons faire là. Nous te dit que en premier lieu c'est enable. Ensuite nous fait configurer le terminal. Pour nous configurer l'équipement. Là nous arrivons là. Nous sommes capables de mettre nom pour la machine. Nous là il a appelé le routeur par défaut. On a mis host name. C'était name et puis n'a pas mettre on te dit que c'était Smart Creole 1 Creole 1 aussitôt que nous fait ça nous voyons que nom outil a changé les qu'il changé qu'on a nous gagné pour nous mettre en bannière une bannière qui peut servir avertissement pour si tu as un individu qui veut venir sur l'équipement que je vais configurer là, qui soit en l'autre technique configuré,
message à Cap Dili. Bon, attention, équipement salini administratif déjà. Si que ou déprogrammer, ou avez un problème. Ok? Banner que nous parlons, on a dit banner modé. Banner. Puis on nous fait OT. D. Puis là, on a mis un caractère spécial. On va mettre slash. Et puis mettez celle. SKT qui vient de connecter sous ligne console là. OK, et puis nous fermer avec même caractère spécial là, nous sommes ouvert. Nous faisons OK à partir du moment là, nous correct. Là nous gain pour nous le faire entrer dans ligne console là à présent. Ligne console là qui pourra le line console 0, nous mettez plus loin 0. Là nous entrons, nous line console qu'on ne pourra organiser. Nous voyons que là entre parenthèses c'est config line. Donc là nous en dedans nous pourra dire le password. Password et puis nous mettez SKT1. Et puis on a mis des slash. Ça c'est le mot de passe que nous mettons pour la console là. Suggère nous mettons l'en côté parce que le mot de passe ça c'est vrai que nous oublions. On a aucune difficulté. On a mis des mettre le sous ça. SKT. Bien que manque un S là. SKT1 slash slash. Nous ok. Maintenant on a juste fait login. On fait login. Si nous quittons le console là, nous pas l'autre commande qui c'est service password encryption là. Si nous quittons le console, nous pas mettre le mot nous ça qu'a fait mot de passe que nous mettions là va pas servir rien parce que si on monte connaissance la carte joigne facilement pour le joigne la poêle la sortie là d'abord et puis il arrive là dans ce que ça le fait show one. Bon, plus simple. OK, show one c'est raccourci show one une config là. Nous voyons qu'il m'a qui là. Nous pouvons chercher le password que nous mettons. Hein. Soit disant password, hein, soit disant mot de passe. Hein. Ok. Nous voyons que le mot de passe là, nous voyons dans la ligne 0, le mot de passe que nous mettons, il paraît en clair là. Si nous avons des connaissances, il est capable de joindre ça facilement. OK, d'où que nous pour le mettre, nous voyons que nous là clair, nous pour le mettre dernier commande là qui c'est n'a pas le faire configurer terminal. Configurer terminal. Mais là, nous capable faire service password tirer encryption service plus loin password tirer encryption pas même fin taper tout non moi ça nous est commande là que moi t'ai tapé déjà qui c'est commande ça là c'est une besoin garder les nana garder les OK c'est commande là c'est pour crypter mot de passe là qui j'en ai agi lui même il agit comme ça. Là, nous fait aussitôt que nous fait entrer, nous sortir là pour le même côté que nous était là. Et pour nous faire show warning config tirer config. Nous voyons que on a pas lancé que password là. On parle trop vite parce que nous voyons que password. Nous voyons que on paquet au lieu que c'est lui-même qui paraît en clair là, nous elle est cryptée. C'est pour ça que dernier commande là, service password-encryption là, il est nécessaire pour mettre. Bon, pour tout ça, on a dit que nous correct. Ok? À part si nous fait do warning config, enfin, on a fait do pour aller plus vite. Normalement, comprendre c'est do warning. Un startup config. OK. Là, nous faisons enregistrer nos correct.
Admettons que un individu t'a venu sur machine ça là. Foutu là carrément. Un individu t'a venu. Il sortit non, il saute côté le sortit, par contre ça le besoin fait sous réseau que nous, sous équipement ça que nous faisons configurer là, le ordinateur, il fait tout même j'ai moi-même, mais il peut placer le même contact moi-même parce que s'il place le même contact moi-même, il y a pour elle. C'est-à-dire que c'est un vagabond. Il vient, il clique sous port console là, même connexion fait, il vient, il peut aller sous router. La vienne sous ordinateur là, la fait desktop, la fait terminal, et puis il fait OK. Puis là, elle pensait qu'il pourrait le venir communiquer à côté. Là, hop, là, il a demandé le mot de passe qu'il te mettait. Si qu'il pas connaît, il n'est pas venu. Et puis, nous voyons que celle SKT qui a un droit connecté sous ligne console là. Ok, donc nous un message qui nous mettait à tout bagage ça c'est sécurité ouais. Et là moi mon compte mot de passe là par exemple m'a fait SKT1 et puis nous mettait des slash et puis et même là même moi même tout m'a besoin une boule SKT1 mettait double slash et puis là mot de passe là bien tapé là l'entrée sur l'équipement n'est qu'à configurer. Et là, une console sécurisée simplement. Bon, sous switch là, on a pu faire même mouvement. Là, qu'on a besoin de faire même mouvement, on a étiré le câble là sur routeur, on a pas le connecter sur switch là. Même port sur ordinateur, RS-232, il a sous port console switch là. On voit que par défaut, c'est même par défaut. Nous chiffrons nous faire une partie commande et n'a pas ouais ça qui gagne dans matériel là qui configuration qui gagne. Ok, là nous switch là écrit par défaut switch tout simple. Si nous fait constater d'où SH1 vous voyez que dans le cas de configuration tout ça sous switch là si nous fait ah oui vous voyez que là on est capable d'activer 0 à 4 jusqu'à 15 line PTI. Ok, ça c'est côté nous entrer dans switch là sans sécurité. Nous pouvons faire le même mouvement avec routeur, nous pouvons le mettre sécurité parce que nous te dit nous les que switch là avec routeur dans le cadre de sécurité à configurer la même façon. Ok, vous configurez même façon, vous pas dans le cadre de sécurité à là dans le cadre de dans le cadre line console là, c'est même façon configurer ligne console là sous routeur avec switch là. Par contre, les que nous pouvons activer SSH Telnet, nous pouvons voir que. Pour configurer Telnet sur router, son façon différente, son façon, et pour configurer Telnet sur switch là, son autre façon. Mais dans le cas ça nous pas le faire là, c'est même façon. On a fait, nous là, on a fait config. Donc, normalement, c'est configure terminal. Hein. Bon. Figure loin terminal. Nous, pour m'écrire tout le temps ça, là, je prends des tiracouches ensemble avec nous. De toute façon, nous, des fois, nous sommes capables de besoin de tiracouches ou bien aussi. Nous avons mis host name. Nous avons mis un nom qui c'est Smart Creole 1. Tout parce que nous avons mis switch 1, SW, machin. Mais le problème qui vient là, c'est que nous avons créé, nous avons nommé un routeur qui n'est pas même bagarre avec switch là. Nous avons bailler même nous. Un problème Smart Creole Tech 1 et puis aussitôt nous voyons que changer non. On y a là
nous pouvons le faire, nous pouvons le mettre banner à présent. Banner modé. M-O-T, D. Puis nous mettons slash pour nous faire ça. Nous disons c'est celle que nous avons écrit là. Normalement, c'est celle, c'est comme ça. Nous avons point espace. C'est celle. C'est celle. Ok, le pas prend celle-là que vous mettez. C'est celle. Nous mettons. Nous pouvons mettre en bannière, banner modé, plus loin MOTD, et puis nous mettons un caractère, puis nous faisons espace, nous disons c'est celle SKT qui gagne droit, qui gagne droit connecté sur ligne console là. Connecté sur ligne console là. Ou te mette console comme ça, t'as l'air de mettre le même genre parce que ok, puis nous fermer avec même caractère. Ça c'est le message que nous mettez pour lire. Aussitôt que nous finissons mettre message là, on dit line console 0 et puis on dit password. Bon, password, tout est technique avec password là déjà. Password, on mettez SKTA et puis on dit que c'était des slash. SKT1 et puis nous faire OK. Aussitôt que nous faisons OK, nous allons faire login d'ailleurs. Et puis nous allons mettre comment qui tout et tout le monde. Exit là, nous avons une méthode que nous allons soutenir dans la ligne console là. Nous allons dire service password tiré encryption. Ok, et aussitôt mettre dit nous que ligne console là les mêmes les sécuriser. Donc prochaine étape là c'est là que nous pourrons configurer SSH sous router avec switch là. Switch là n'a toujours été sous même mouvement. On n'a pas comment ça fait ma texte à lui. Ok, là pour que nous tout l'en enregistrer des espace W. Ok, on peut faire un pour ce outil là et nous correct.